Voilà, bonjour à tous et bienvenue à cette session quasi hebdomadaire parce que durant la période estivale, on ne le fait qu'une fois tous les 15 jours. Bienvenue à cette session et merci de votre fidélité. Goedenavond allemaal et bienvenue sur ces 2 weken, cette session de zomerperiode, c'est seulement une fois par semaine. Et donc, hartelijk dank om vanavond aanwezig te zijn. Dus zoals gewoonlijk beginnen wij met de coronacijfers. Ik ga even mijn scherm delen en voilà. Voilà. Dus de situatie is een beetje zoals 2 weken geleden. Dus, bon, de lichte stijging gemiddeld vergeleken met de andere gemeenten. Dus de gemeente met faciliteiten, de gemeente van de eerste lijn, zone Druivenstreek. En de twee Woluwe zitten we ongeveer in het midden. Dus waakzaam blijven en de maatregelen vooral blijven respecteren. Voilà pour les statistiques. Alors, il y a d'autres choses que je voulais vous dire pour le thème Corona, évidemment. Mais tout d'abord, la liste des sites intéressants qui valent. Il y a toujours des nouvelles informations qui valent la peine. Et c'est certainement pas du temps perdu d'aller jeter un coup d'œil de temps en temps, puisque cette pandémie évolue tout le temps. J'insiste sur le covidsafe.be. On va y revenir dans un instant. Évidemment, ceux qui le souhaitent. Il y a différentes façons maintenant de se faire vacciner. Il faut y aller pour ceux qui le veulent. Et alors, évidemment, toute une série de procédures et de questions-réponses en fonction des différents déplacements, des différentes situations auxquelles on peut avoir faire face si on voyage, par exemple. Alors, à ce propos. Il y a aussi, comme d'habitude, je vous montre la page Facebook de ELZ Druivenstreek, donc Eerste Lijn Zone Druivenstreek. Plusieurs infos intéressantes cette semaine. Bon, comme chez nous, une augmentation des chiffres corona. Donc, on demande alors évidemment, de bien continuer à respecter les mesures, que ce soit chez nous ou à l'étranger, peut-être même surtout à l'étranger. Alors, 2 choses aussi importantes. En haut à gauche de la page, vous voyez que la lettre dont les mineurs ont besoin pour aller se faire vacciner s'ils ne sont pas accompagnés par un adulte, cette lettre bientôt va être disponible dans différentes langues. Donc, tout ça, vous verrez alors sur la page Facebook de ELZ Druivenstreek. Alors, un truc sympa aussi. On peut pas vraiment appeler ça porte ouverte, mais enfin, ça ressemble quand même à une porte ouverte. Donc, c'est les 3 jours qui vont être mis à votre disposition pour une dose de vaccin Johnson, donc les 12, 17 et 25 août. Donc, il y a eu une journée mercredi, donc le 4. Bon, celle-là est passée, mais il reste donc le 12, 17 et 25 août. Pour ceux qui n'ont pas encore été vaccinés, qui souhaitent recevoir une dose du vaccin Johnson & Johnson, comme vous le savez, une dose suffit. Et à ce moment-là, donc, il est possible d'aller au Sky Hall sans rendez-vous, et c'est valable donc pour tous ceux qui sont à Zaventem, Rüzenbeek et Kranen, et au-delà de 18 ans. Voilà. Alors pour les détails, vous regardez pour les heures d'ouverture et tout ça, vous regardez sur le site de Vaccin Sky Hall, mais donc si vous le souhaitez, profitez de cette opportunité alors qui vaut certainement la peine d'être envisagée. Alors, j'ai encore 2, 3 petites choses à vous dire pour la crise, la pandémie Corona. Dus voor degenen die naar het buitenland reizen en terugkeren,
Er zijn uiteraard wel heel wat maatregelen, heel wat zaken die moeten gecheckt worden. Onder andere welke zone wordt rood, oranje, terug eventueel groen. Verschillende zaken die dan gecheckt moeten worden. Onder andere voor diegenen die naar Italië en Frankrijk trekken. De toepassing van de coronapas, dus bij ons is dat COVID-safe. Die zijn eigenlijk ook in principe die apps zijn geldig in de andere landen ook. Maar dus zeker de moeite om even te checken wat de specifieke maatregelen zullen zijn in het land van bestemming. Dus ook heel duidelijk, bijvoorbeeld in Frankrijk, vanaf volgende week maandag wordt het gewoon verplicht voor de meeste gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek. Bijvoorbeeld de horecasector, musea, concertzalen en dergelijke zaken. Dus maak daar alsjeblieft gebruik van. Het is zeker een goed idee om dat te checken vooraleer dat jullie vertrekken. Voilà, dus dat heb ik de vorige keer al laten zien. De COVID-safe, hoe ziet die eruit? Dat is een app, dus uiteraard beschikbaar voor iPhone of voor Android. Dus het is zeker de moeite om die te installeren. Donc cette application que nous utilisons, que beaucoup d'entre nous utilisent, COVID-Safe, elle est déclinée sous différentes formes dans les différents pays, mais donc en principe, cette application est valable alors au sein de l'Union européenne. Voilà. Peut-être encore un mot, juste, je vais revenir 2 secondes sur le site infocoronavirus.be. Donc, quand vous revenez de vacances, il y a aussi toute une série de choses à faire. Entre autres, remplir le formulaire PLF. Donc, c'est Passenger Locator Form. Que vous soyez en avion, en train, en voiture ou par d'autres moyens de transport, d'autres moyens de déplacement, si vous avez été à l'étranger plus de 48 heures, il faut alors remplir ce formulaire. Alors, ceux qui sont complètement vaccinés ne doivent en principe pas ne doivent pas se mettre en quarantaine à leur retour. Mais tout ça, alors, vous verrez donc plus en détail sur le site infocoronavirus.be, FR Voyage. Donc, ça vaut certainement la peine d'aller y jeter un coup d'œil. Voilà, donc ça c'était pour les aspects Corona. Alors, il y a une autre actualité, comme vous le savez, ce sont les inondations de fin juillet. Er zijn verschillende acties georganiseerd geweest, dus ten gevolge van de overstroming van juli 2021. Dus jullie weten dat wij een paar dagen na de eerste overstromingen, dat wij via de Wop-op Wezenbeek dus een inzamelactie georganiseerd hebben voor allerlei zaken die konden helpen, zoals bijvoorbeeld doeken, kleren, allerlei borstelen, schoonmaakmiddelen, allerlei zaken die eigenlijk konden gebruikt worden. Nogmaals dank aan diegenen die zich kandidaat of dan alle vrijwilligers die in dat kader geholpen hebben. Zoals jullie weten, hebben dus ook op 20 juli 2021, sorry, dus de beslissing genomen om het bedrag van de Garden Party 21, die niet is doorgegaan, om dat bedrag eigenlijk te reserveren voor de slachtoffers van die overstromingen. Verleden weekend is er dus gewoon een ander initiatief geweest van
iemand van onze personeelsdienst, dus iemand van het depot, waarvan de zoon eigenlijk het idee heeft gehad van, tiens, laat ons dus gewoon een transport van banken en stoelen organiseren voor de scholen van, in dit geval was dat voor Chauxfontaine. Dus voilà, hartelijk dank voor het initiatief. Ik denk dat het gewoon enorm geapprecieerd is geweest. Het is eigenlijk ook in de pers verschenen. Gaat het gewoon gemakkelijk kunnen terugvinden via rtbf.be. Dus nogmaals dank voor het initiatief. Dan een vraag die wij ook deze week hebben gehad. Wat voor ratten die jammer genoeg uiteraard ten gevolge van het slecht weer en van door andere omstandigheden die dan ook gespot zijn geweest, onder andere in en op en rond het Dumontplein van Sint-Pieters-Woluwe. Bon. Comme vous savez, dans toutes les grandes villes ou dans toutes les villes où il y a des réseaux d'égouttage, ben, il y a des rats. Donc, en principe, voilà, a priori, il n'y a rien de nouveau. Mais les circonstances sont telles que bon, un certain nombre de ces rats sont évidemment sortis des égouts, circulent un petit peu entre les endroits où ils peuvent espérer trouver de la nourriture et ou des déchets, ou dans le cas évidemment des inondations, s'il y a des immondices qui se sont accumulés, ben là il y aura évidemment aussi des rats. Et donc ça pose un problème potentiel de santé publique, puisque ces animaux sont vecteurs de maladies, entre autres la leptospirose, bon, qu'il faut quand même prendre au sérieux. Alors, il y a différentes initiatives qui sont prises. Donc, notre commune voisine de Woluwe-Saint-Pierre a pris l'initiative de contacter Vivaqua pour voir dans quelle mesure, puisque c'est eux qui sont les gestionnaires du réseau d'égouttage à Woluwe-Saint-Pierre, donc pour voir dans quelle mesure il y a moyen alors d'agir avec ou sans d'ailleurs la commune de Crenem, pour voir comment ce qu'on peut faire pour éviter un excès de ces rats. Mais alors il y a aussi, donc ça c'est au niveau des communes, mais il y a aussi toute une série d'activités ou toute une série de choses que l'on peut faire au niveau individuel pour limiter les risques et limiter les situations potentiellement dangereuses. Première chose à faire, évidemment, c'est éliminer tout ce qui, de près ou de loin, peut ressembler à de la nourriture pour facilement accessible à ces animaux. Donc, ne pas laisser traîner des sacs avec de la nourriture, des sacs qui sentent, des sacs non protégés. Donc le plus possible, ne pas laisser traîner des sacs poubelles la nuit, donc si possible, ou alors dans un récipient en dur. C'est valable d'ailleurs aussi pour les renards. Donc autant possible, limiter alors l'accès facile à la nourriture pour ces rongeurs. Alors il y a une chose qui en principe est faite systématiquement, mais ça vaut la peine de vérifier le carnet de vaccination de votre chien. Parce que les chiens, ben, ils circulent évidemment et peuvent être potentiellement contaminés par exemple par de l'urine de rat. Et donc, à ce moment-là, ça vaut la peine de voir dans quelle mesure votre chien a été correctement vacciné. Alors, il y a un rappel tous les ans et tous les 6 mois, si c'est nécessaire. Mais pour ça, le mieux est évidemment de contacter votre vétérinaire. Alors, une question que l'on a posée, c'est pour la vaccination des personnes. Puisque donc certaines maladies se transmettent alors aux personnes. Donc à part le personnel qui est exposé de façon systématique, par exemple les gens qui travaillent pour les réseaux d'égouttage ou qui sont exposés de façon systématique, donc il n'y a pas en principe de raison de vacciner les êtres humains. Donc il s'agit essentiellement de vacciner pour l'instant vos animaux domestiques et spécialement les chiens qui sont donc en contact potentiel.
Alors, une autre chose, deux autres choses qu'il faut éviter, c'est d'aller se baigner dans des étangs ou dans des lacs d'eau douce. Bon, malheureusement, il y a donc des contaminations qui se font par ce biais-là. Bon, il s'agit de lacs et d'étangs, il ne s'agit évidemment pas de piscines, mais donc éviter de se baigner dans les lacs et les étangs d'eau douce. Alors, de toute façon, comme vous le savez, en tout cas, les baignades dans les étangs Jourdain et les étangs de la commune sont absolument interdites. Donc, raison de plus pour éviter de le faire, donc on ne nage pas dans les lacs et les étangs de Crenay. Voilà. Alors, une autre chose qui nous a été recommandée également, c'est de vider systématiquement les mini-baignoires et les récipients dans lequel vous pourriez avoir de l'eau stagnante. Donc voilà, c'est toujours le même principe. L'eau stagnante est peut-être potentiellement dangereuse. Et donc, d'un jour à l'autre, videz alors ces mini récipients ou ces mini piscines dans lesquelles jouent les tout jeunes enfants. Donc, c'est une bonne chose de les vider systématiquement et peut-être, pourquoi pas, de temps en temps, de les nettoyer. Voilà, donc ça, c'est essentiellement ce que je voulais vous dire pour cette problématique. Il y a beaucoup de choses qui passent sur les réseaux sociaux, donc il n'y a pas de panique, mais simplement, soyez prudents et respectez les mesures d'hygiène normales et évidentes. Se laver les mains, non, pas courir derrière des rats si vous les voyez, pas chercher les contacts, voilà. Donc c'est essentiellement ce genre de choses-là auxquelles il faut faire attention. Voilà. Alors, il y avait encore deux choses que je voulais vous dire ce vendredi. C'est la bonne nouvelle que nous avons reçue pour le parking du métro Crenem. Comme vous le savez, ce grand projet de parking métro, c'est un bâtiment quand même qui abriterait alors 750 places de parking. Vous savez qu'il y a eu plusieurs procédures, il y a eu des recours, une séance d'information le 2 octobre l'an dernier. Et nous avions appris que le 2 mars 2021, il y avait eu Bruxelles Environnement avait délivré une attestation d'environnement, donc un milieu atteste, à Bruxelles Mobilité pour l'exploitation de ce parking de transit. Bon. Parking qui, comme vous le savez, est situé donc à l'endroit du parking métro. Bon, alors ça, cette attestation d'environnement, ce n'est pas encore un permis, c'était une attestation, mais c'est un premier pas que nous avons évidemment combattu. Et nous avons alors déposé un recours, de même que la commune voisine de Houlieu-Saint-Lambert d'ailleurs. Et la bonne nouvelle, c'est que ce recours a été pris en compte et que les environnements de Bruxelles a alors refusé donc cette attestation d'environnement le 12 juillet 2021. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors il y aura évidemment très probablement une action en appel, mais en attendant, c'est une bonne nouvelle. Et nous remercions évidemment tous ceux qui ont participé à cette action. Alors, une autre chose pour les travaux publics. Concernant les travaux publics, vous avez probablement vu donc les travaux qui ont démarré il y a quelques jours au niveau de l'avenue de Wezembeek. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait, c'est une initiative d'abord de AEV, donc qui est le gestionnaire de cette avenue. Donc cette avenue n'est pas sous le contrôle de la commune. Et la raison pour laquelle il y a ces travaux, c'est que AEV souhaite agrandir la zone tampon qui permet aux voitures
venant du ring et tournant à gauche dans l'avenue Reina Street, qui permet alors d'attendre ou de se placer sur une zone plus longue, de façon à rendre le trafic qui continue plus fluide. Donc ça, c'est l'idée. Il y avait aussi le fait que différents croisements à partir de la rue Jules-Adam, qui sont suggérés ici, à ce niveau-ci et à ce niveau-là, ces différents croisements étaient dangereux et donc, en principe, ne seront plus possibles. Mais il s'agit ici d'une période de test, en tout cas pour la coupure du passage entre les deux avenues, entre les deux morceaux de l'avenue Jules-Adam. Donc, l'agrandissement de cette zone tampon pour tourner à gauche dans l'avenue Reina Street à partir de Rig, bon, ça c'est en principe définitif, mais ce qui va être bloqué ici, donc les gens venant de l'avenue Jules-Adam derrière le bâtiment d'Home Invest ne pourront plus tourner à gauche directement pour aller vers Bruxelles, mais devront faire le demi-tour plus loin. Et de même, les gens qui sortiront de l'avenue Jules-Adam du côté nord ne pourront plus traverser directement pour aller vers le ring, mais devront passer soit par la rue verte, l'avenue Reina Street, et puis tourner à gauche, ou bien alors faire un U-turn au carrefour ici. Voilà. Donc ça, c'est une phase test, c'est comme ça que je l'ai convenu avec AOEV. On verra comment les choses évoluent. Et si vous avez évidemment des commentaires ou des suggestions, ou vous avez l'un ou l'autre inconvénient, ou vous constatez l'une ou l'autre chose, surtout il ne faut pas hésiter à nous en faire part, et on le relayera évidemment auprès de AOEV. Voilà, das war's für eine kurze Introduction, weil ich sehe in dieser Zeit, dass das eigentlich doch nicht so kurz ist. Und ich stelle vor, dass wir nun eben nach den Fragen schauen. Ich sehe momentan keine spezifischen Fragen. Ich werde eben das anpassen. Voilà. Ok. Goed. Bon, ik zie dus gewoon geen specifieke vragen op dit moment. Hartelijk dank om vanavond aanwezig te zijn. Dus graag niet tot volgende week, maar tot binnen 2 weken. Dus in deze periode doen we maar 1 keer op de 2 weken. Tenzij uiteraard dat iets dat een belangrijk nieuws komt van de federale overheid. En dit heeft natuurlijk wel voorrang. Geniet van uw weekend. Geniet van uw verlof. Wees alsjeblieft voorzichtig en waakzaam voor de coronapandemie. Wij moeten dus gewoon voorzichtig blijven. Het is de enige manier om die pandemie eigenlijk onder controle te krijgen. Hartelijk dank en tot heel binnenkort. Voilà, merci d'avoir été là ce soir, merci de votre fidélité. Donc, en principe, nous ne nous voyons pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, vu la période de vacances. Profitez de votre week-end, on peut espérer qu'il fasse un peu meilleur. Profitez de vos vacances si vous en prenez. Que vous soyez en Belgique ou à l'étranger, s'il vous plaît, continuez à bien respecter toutes les mesures de sécurité. La pandémie n'est pas encore tout à fait sous contrôle et c'est la seule façon pour nous d'éviter le confinement et de bien respecter les règles pour qu'on puisse continuer nos activités de la façon la plus normale possible. Voilà. Merci beaucoup, excellent week-end et à très bientôt. Au revoir.